Bonjour, bonsoir. Allô, nous branchons là, nous avons dit à l'heure là. Nous attendons que nous disions que si nous ou non, nous attendons jeudi à là. Exactement, nous sommes en capitale fédérale américaine. Washington DC, Gouverneur, Eri, est-ce que vous attendez là? Donc, si nous attendons pour nous déraper et faire frais jeudi à nous, au lieu de mettre. On va être sous moi là. Vous entendez bien, Michel? Oui. Bon, il dit oui. Oh, bien, ok. D'accord, Duval. Eh bien, nous mettons à Péry. Bonjour, bonsoir. Je vous dis à ce lundi. Je vous dis à ce 4 décembre. C'est mon qui m'a l'église hier. 3 décembre, c'était fête. Fête Saint-François. C'était fête Saint-François. Donc, mon qui m'a l'église, je connais qu'il était bien célébré. Et dans l'autre point qui s'est devenu actualité, Israël continue à mener opération dans le territoire Gaza, côté attaquer Israël, côté attaquer, il cherche à coincer Hamas dans deux régions qui sont censées en bas contrôle. Donc, il y a des populations, il y a un cap géographique sur Internet là, côté il y a des populations pour prendre refuge, pour prendre refuge dans le sud. Alors que M. Dio même c'est dans le sud qu'il a mené l'opération. Donc il finit dans le nord Kounia, il dans le sud il a mené l'opération contre. Et il dit que face à M. Hamas n'a aucune chance. Selon la déclaration de l'autorité américaine fait cette question, il dit que c'est vrai, il y aura un Hamas responsable et négociations qui ont échoué, négociations qui ont joint une trêve. Eh bien, il dit parce que Hamas pas d'accord pour remettre une liste garçons, filles avec Timoun, par Israël, que Israël a dû examiner et ensuite pour l'été commencer à faire Boukantay et Madame Pouchnicha Genader qui branche tout. Donc, il dit Israël pas d'une liste ça pour être capable de commencer à faire Boukantay. Donc, c'est ça que les États-Unis dit que. Qui est responsable. Mais les États-Unis battent bravo le fait que Israël baille la population une information assez pour chercher des refuges de l'autre côté, justement pour protéger la tête. Mais trouver dans la tête, côté où elle protéger, côté où elle refuge, c'est là, Israël va attaquer là tout. Donc, c'est. Mais il y a des gens qui commencent à évacuer, vraiment qui commencent à aller, et il y a des gens qui ne peuvent pas rien. C'est juste aussi sauver la vous seulement, c'est ça qui passe là. Et puis, il y a un président ukrainien. Volodymyr Zelensky, Cap Babier, dit que pratiquement, il dit que Israël, il dit que guerre Israël là censé consommer toutes ressources qui t'a financé, qui t'a gagné, qui t'a connu d'elle. Et bien, il a perdu pire, il a pas joué une ressource encore, alors que là aussi, pas suspendre, attaquer. Donc, il dit que guerre Israël n'a pas bon pour lui, parce qu'en principe, les ressources qu'elle a connues, que ce soit Congrès, que ce soit la situation des États-Unis, eh bien, pour sous ça, il y a juste Israël de préférence. Donc, en fait, nous allons comprendre ça. Dans un gros point qui est censé à devenir actualité, nous parler, mon boy, c'est assez préparation pour fête. Après la fête Noël, Abdou Noël qui est en campé là, dans le Congrès. Gobi dit dans le cadre de l'air, parce que bon, l'autre, tu t'es posé une question, tu t'es demandé, Gobi dit ça, des dollars, qui est-ce qui s'allie? Eh bien, c'est. Congrès américain, c'est ça le poumon politique mondial. C'est là toute bonne décision qu'on prend. C'est là qu'on prend. Et là qu'on prend. C'est là toute décision que ça a fait là. C'est-à-dire assistance à bail, président à recevoir l'argent, qu'on budget à voter. Mais c'est là le Congrès a rencontré 435 membres. Non, 535 membres là-dedans. 435 députés. Et puis, il y a 100 sénateurs. Et puis, plus employés, etc. Je regarde là, il n'y a pas un nom. Je regarde là, on tire, on regarde là. Lorsqu'il vient là-dedans, pour regarder, pour quantité de côté que le couvre, il me laisse la main, on va saisir pour elle. Ça, là, c'est on idée le barreau. Mais il y a parti, il y a l'autre building qui est associé avec le building, je regarde là-dedans. Il y
gagner l'autre building qui est associé avec. Ça, quand on regarde là, c'est là, par exemple, pour l'Assemblée générale faite, les congrès réunis, les deux chambres réunies, c'est la présidente fait, président, la présidente pour ce discours. Et après ça, il y a l'autre côté, le comité, les chambres. Alors, chaque député ou chaque parlementaire a un bureau avec un personnel. Donc, on va comprendre ça, ça veut dire. En tout cas, et nous, pour le DAP, nous avons dit que la nouvelle constitution du pays d'Haïti, eh bien, éminente personnalité qui a mieux pour aller en Haïti, et nos visites qui ont duré pratiquement une semaine, et sorti mercredi 6 pour finir le 14. Donc ça on fait 14 décembre avec l'espoir que pour l'Ouest si on capable et jouer une solution dans la crise et politique que Haïti a traversé là. En tout cas et éminent personne éminent personnage CARICOM yo a été quitté Euro et by acteur concerné une proposition qui gagne là-dedans entre autres capable dire nous qui gagne un haut conseil de transition qui a gagné là-dedans 7 membres au lieu de 3 qui gagnent aujourd'hui. Et parti concerné, non, pour l'instant, il était parlé de 5. En tout cas, et CARICOM a parlé de 7 pour lui-même, mais qui a un pouvoir présidentiel là-dedans. Qui a un pouvoir présidentiel, par exemple, toujours premier ministre. Et puis, CARICOM a dit la supporter commission et conseil ça, la prête avec eux. Et jusqu'à ce que très certainement il débouche sur les élections. Parmi les qui ont une préparation pour publier un conseil électoral provisoire. Et puis très certainement les organisations de la partie concernée. Les acteurs politiques, il y a toujours des gens divisés, des gens qui toujours mordicus. Il faut que le premier ministre Henri démissionne, il faut aller. Et 24 février, laisse pas de provision pour lui encore. Il n'y a pas de provision pour lui, laisse un mandat. Ça, il dit dans l'accord 21 décembre, que il dit que le 7 février 2024, il n'y a pas de nouveau président, il n'y a pas de nouveau président. Donc, le premier ministre Henri Tadoué, fait mal à lui, à l'école, remettre pouvoir. En tout cas, et proposition qui est comme dans tout le palais de une transition qui a duré 18 mois, ça qui est contraire à une déclaration que le représentant. Le secrétaire général des Nations Unies en Haïti, il a parlé de Isabelle, qui a fait pour dire que la transition n'est pas capable de remplacer l'autre transition. Mais quand on vient avec une transition pour remplacer la transition qu'il a. Et la question qui vient, la question qu'on joue assez, et pour le ministre Henri, est-ce qu'il va faire partie et nouveau ACT ça, comme premier ministre, est-ce qu'il est même la premier ministre? Nous par contre, il était pour les acteurs rencontrés parce que M. Fin pensait que Fin discutait déjà, que Fin réunit en plusieurs groupes, il a réuni, il a rencontré, il a parlé de ça, et très certainement capable de contre-proposition que CARICOM, mais au moins on bail pour le travail sous lui, ça que je dis au début, qui n'a pas de guerre, qu'on a un bail pour le travail, et donc un point de discussion que a fait. Avec CARICOM et particulièrement avec le gouvernement, sous le dossier-là, sous la crise du pays d'Haïti, après ça, tout le temps, les gars continuent à préparer le terrain. Nous voulons rapporter qu'il y a une division parmi les groupes gangs armés qui écrasent les barrières, qui sont censés perdre du contrôle et perdre du contrôle, c'est de côté de contrôler. Mais il y a des groupes 400 maozards qui ont aucun contrôle, donc bah, la partie n'est pas claire. Entre les gamins et puis quand ça vient, il est en bataille tout avec l'autre gang dans la base à Tiboumklan tout. Donc, le dossier gang dans la mer n'est pas résolu. Et en attendant, la police s'est posée caserne dans la zone, dans la sortie sud et capitale là, sortie sud ou en sud capitale là. Il n'y a pas une zone Mariani, côté que les gamins étaient censés imposer là, en position là, et bien, côté tout à fait. Et chauffeur machine au pays ont une sorte de frais de passage. Eh bien, il a fait un frais de passage là, mais la police dit non, ça n'a pas fait. Donc la police font premier à varier sur eux. Après, c'est tout quelques parmi eux. Il y a un bon policier qui mourit, il y a un autre qui est blessé. Mais l'opération n'a pas. Mais la police est en très réserve. Il y a un pile réserve sur
et qui leur a fait déclaration, qui leur a pas fait déclaration, qui s'est encore dit, qui a pas dit, alors que le public a besoin de connaître qui j'ai pas ayoyé. Et puis, il y a un ancien leader rebelle, et Guy Philippe, qui est en prison aux États-Unis pour trafic de drogue. Et bien, monsieur Tenant est retourné en Haïti jeudi passé. Monsieur passé 2 jours en prison. Et puis, samedi, il a été libéré, monsieur. Bon, monsieur, pratiquement, il est là. Il est dans la capitale là, voir il y a des gens qui m'ont dit que c'était de Kimbelli, il y a des gens qui disent non, pour ça que Kimbelli, il finit plus de peine. Alors, monsieur, puis j'en peine aux États-Unis. On partit en peine, non, mais majorité, 45% en peine que les États-Unis ont condamné, très certainement parce qu'il a contribué dans ce qui a passé. Et puis, fait dossier et monde qui, demain, t'as dû gagner une annonce qu'a fait sous dossier et monde qui t'a responsable. Ou bien qui t'a participé directement ou indirectement à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, après ça, la poursuivre en pile ici aux États-Unis. Gagné un gouvernement, gouvernement continue à faire enquête sur le ceci-là en Haïti. Mais c'est toujours encore, et toujours encore instruction, juge l'a fait, Walter Walter Voltaire. Et bien, lui-même, ça, et à date, nous connaissons seulement gagné ancien magistrat ou bien encore magistrat. Intérimaire Jacques Mella, Marquis Kessa, que vous mettez en dépôt. Bon, c'est aucun bien, vous mettez en dépôt, donc il est en prison. Parce qu'après, il définit pour une question du juge là, le juge a dit il semble être assez de provision, bien assez éléments, assez pour qu'un béli. Comme on suspecte, mais aucun béli, manifestation de Jacques Mella, sous le ceci là, pour demander libération libre. Sénateur et sud-est Joseph Lambert avec Hervé Foucan, qui est sénateur sud, et puis il y a une évaluation et un juge, commissaire gouvernement de la santé FEO, qui est venu pour l'accusation d'après rapport et ULCC, c'est l'unité de lutte contre la corruption, qui est fait comme quoi, qui est indexé comme monde qui a détourné bien l'État. Et les deux parties, d'abord avocat et ancien sénateur sud-là, et lui-même lui dit que, effectivement, client l'a intégré deux machines en main, il y a une machine, et ancien sénateur sud-est, Joseph Lambert, lui-même lui dit que, il y a tout dossier au bail, bail commissaire gouvernement, et que lui, il y a une machine en main, il y a un métier, et qu'il y a un pouvoir, etc. Mais il dit que, bon, commissaire gouvernement a envoyé dossier devant un juge d'instruction. Qui pour instruire le dossier et pour connaître si bien assez d'éléments ou bien assez preuves, assez ou assez à conviction pour lui être capable de trouver M. Deux, ancien sénateur Sahel, qui ciblé dans le rapport là, pour qu'il y ait une question de la justice sur le dossier là. Et voilà, c'est ça nous gagne, et c'est ça qui s'en fait sous papier aujourd'hui. Et puis, France du football, et puis, Venezuela, il y a un référendum Venezuela fait qui semblait et pour reprendre un territoire dans la Guyane. C'est 160 000 km². Parce que monsieur Chifla, c'est là bon. Mais c'est un territoire que Venezuela tissé pour lui, malgré que il y a un tribunal qui était prononcé. En faveur de Guyane sous question ça, mais aux jeunes que le territoire ça il y a une forêt, il y a pratiquement un jeune, il y a un pétrole là-dedans, il y a un gaz naturel là-dedans. Donc les gens font un référendum hier qui semblait et le peuple a taboté et que mais et Venezuela dit, bon, après décision ça, qu'on y a et que tu n'as pas d'aucun rien pour le tas sur ça. Son dossier n'a pas pour en pile. Pour nous connaître qui ça va le passer exactement, est-ce que ça va le dire une bouche l'ouvrir entre déjà une discussion sur lui, bah déjà devant le tribunal, qui peut voter et qui part et en faveur Venezuela. Donc Venezuela lui-même ils font un référendum plutôt pour demander la population pour commencer et ça veut dire que la population a l'air. Donc il dit pratiquement gain deux. Alors le président Maduro qui a réagi après le référendum, non, il dit qu'il y a un perdant, un gagnant. Alors gagnant, il dit c'est pas vénézuélien. Et puis il dit perdant, c'est gouvernement et entreprise américaine, entreprise qui a exploité pétrole américaine et avec gouvernement et
Guyane, c'est eux-mêmes qui sont perdants dans le dossier. Un dossier qui était toujours jusqu'à présent encore pour nous dire que ça a passé. Voilà, c'est pratiquement ça. Nous sommes pour nous pour aujourd'hui. Et puis, si je ne parle pas aller sans battre le football, je connais que nous sommes fâchés de faire que Haïti n'est pas qualifié directement pour. En fait, pourquoi qualifier directement pour la première édition et première édition Coupe d'Or CONCACAF féminin. Et raison, parce que yo perdu devant Costa Rica et 2-1 son match que Haïtien n'a pas digéré, yo blâmé. Il y a un habitat responsable de fait là parce que l'habitat est en prolongation 5, il joue 8 minutes. Donc, il est fâché pour ça, il dit que l'habitat fait un petit match. Alors que peut-être Haïti n'est même pas géré, pas bien géré. Dernière minute match, il est comme ça, Haïti pour un goal. Et entraîneur, sélection haïtienne, non? Et monsieur dit que non seulement il y a un problème, mais il prétend que bon joueur était hors jeu. Chaque fois que l'habitat était hors jeu. Et que habite juge de l'Inan lui-même, il part de vider à Paul, il mettait joueur, il mettait joueur. Donc, autant de discussions comme ça, alors on peut dire, on cherche toutes les excuses. En tout cas, jusqu'à présent, Haïti toujours dans la bataille. Il y a un groupe Haïti, il y a un groupe CA, mais Haïti toujours. Il y a 9 points, il y a une première position. Et Costa Rica en deuxième position avec 6 points. Donc, match, je dis à que Costa Rica a joué le dernier match là. La plus face à la CAI, Saint-Kitts-Nevis. Et Costa Rica, si vous avez besoin de qualifier direct pour le premier tour, là, pour le prochain, pour un ticket direct pour la compétition, bien, vous avez de qualifier Saint-Kitts-Nevis 14-0. Donc, dans ce cas-là, Haïti, il y a gagné Haïti sous différence de buts. Haïti a gagné une différence plus 24, alors que mesdames ont gagné une différence plus 11. Alors, Chicasso, il y a une différence plus 11, donc il y a marqué 14 goals, ça va faire 25 goals par rapport avec Haïti, donc il a qualifié sous une différence de buts. Maintenant, donc Haïti, dans le cas ça, Haïti pour aller, pour jouer au match de barrage, pour voir s'il t'a un ticket pour édition ça. L'autre là, le contraire, si Chicasso marque 13 goals, donc encore, là, l'équipe pour à égalité pour nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés, même différence de goals, dans ce cas-là, je crois que tu dois aller à regarder fair play entre deux équipes pour voir qui est-ce qui est plus fair play que l'autre. En tout cas, Haïti semble qu'il y ait deux cartons rouges dans le ça là. Donc, ça veut dire que la patate trop bon pour Haïti. Donc, dans le cas ça, il y a un peu plus de toujours une chance. Tout. Moins, si Costa Rica a calé 12-0, eh bien, c'est Haïti qui a qualifié directement. Et là, ça, Costa Rica lui-même, l'a fini deuxième. Même si il a gagné 9 points, l'a fini deuxième par rapport à la différence de goal. Et lui-même, il va jouer un débat tout. Avec possibilité pour jouer un ticket pour première édition, pour payer la compétition qui a déroulé. Ici, aux États-Unis, sorti 20 février pour finir 10 mars. Donc, tout match, il y a plus pratiquement, la compétition sera plus pratiquement dans le groupe presse États-Unis, avec invitation, avec 4 pays dans l'Amérique du Sud, comme invité, mon cas cité, nous avons le Brésil. Et Argentine et deux autres encore qui échappent. Donc, il y a 4 invités spéciaux dans la compétition et nous-mêmes avons 12 représentants donc, pour la compétition. Voilà. Et nous avons les grands ténors dans la région déjà, les États-Unis, Mexique, nous avons fait face à décider, nous pouvons ça, nous avons déjà. Mexique dans la compétition, toujours le Mexique a participé dans la phase éliminatoire là, mais il y a Canada qui est là déjà, et les États-Unis comme pays organisateur. Donc, m'a dit nous, les États-Unis favorisent dans la SAO. Les gens, tout simplement, c'est l'équipe et les pays d'accueil, c'est l'équipe et l'installation, c'est l'équipe tout le monde. On peut comprendre qu'il y a un programme qui a fait un client très gentil avec les Américains. Bon. Et voilà, et je vous dis, c'est lundi, c'est le premier lundi, mois décembre. Non? Donc, nous pratiquement année après ce qu'il vient en fin. Donc, je vous souhaite de nous passer une bonne semaine ensemble avec la Voix de l'Amérique. Et puis, je vous dis,
programme radio sur télévision noire, n'a pas changé, nous pas dans l'autre studio et programme dans jeudi à tout n'a pas changé style. Donc nous pas dans l'autre programme. Et au cas par la différence entre nous, mais si vous regardez bien, vous pouvez avoir une différence par rapport à programme vendredi et avec jeudi, parce que pour nouveau programme, un nouveau programme. Est-ce que ce programme c'est full télévision, bah, on est, mais il y a beaucoup de changements quand même jeudi. Dans jeudi à lundi, je vais en visite à la caméra. Mais comme c'est le programme ça qui a lancé jeudi, eh bien, pour ça, je vais venir en base. Donc, Binamba donne nous tout là. Fredo vini sorti New Jersey Lila avec nous dans la bon, gentil déjà là déjà. Donc, pratiquement tout le monde là. Tout le monde là. En tout cas, je vous ai passé une bonne semaine en campagne de la bas de l'Amérique. Vous êtes bien content de parler avec nous. Mais j'espère que vous avez passé un bon week-end. L'actualité n'a pas changé. Tout le bas que vous connaissez qui t'a parlé, vous êtes là toujours. Vous êtes toujours dans l'actualité. Personne n'a pas connu qui est pensionné. Est-ce que ça va passer exactement avec la présence souterrain? Est-ce que les données ont changé, etc. Nous pas connu. Mais on a cherché. On a venu avec plus de nouvelles encore. Et je dis à moi-même, je parle surtout de guerre israélo-hamasa que le gouvernement israélien recommence à pilonner et position Hamasio. Je dis près de détruit près de 200 cibles. Hamas, donc imaginons, et Américains, et c'est États-Unis et Israël pour mettre l'eau dans du vin, chercher protéger les civils, parce que M. Léolagé a fait attaque aérien, Léolagé a fait la guerre, il tombe au côté, donc que ces civils, que ces militants Hamas, tout le monde dit, les Américains ont demandé pour le protéger, la population civile là, c'est même appel à tout que les Nations Unies, même bien ça. En tout cas, passez bonne semaine, bon après-midi, nous avons encore plus tard. Et dans le journal, la SIM2 et les radios sur télévision, toujours je ne connais pas. Et en tout cas, dans la nouvelle version de la radio sur télévision qu'on a présentée aujourd'hui. Bye bye tout le monde.